Voilà, bonjour à toutes et à tous. On fait un petit exercice ce matin. Donc, pour ceux qui sont arrivés un peu en avance, je vous ai activé le micro et la caméra pour que vous puissiez nous faire un petit coucou si vous le souhaitez. Et puis, regardez que vous puissiez bien l'enclencher et participer à d'éventuelles discussions. Donc, c'est pour rendre un peu les sessions de plus en plus interactives, un peu comme on le fait très souvent avec Zoom. Donc, vos caméras et vos micros sont activés. Donc, vous pouvez les activer. Je ne sais pas si Cyril veut faire un essai. Par exemple, on a Thierry qui arrive en tant que cofondateur. Je fais plus qu'un essai. Bonjour Julien. Je fais un bonjour en des bonnes conditions d'éclairage, de son pour rendre honneur à ce rendez-vous matinal. Voilà, j'ai du café. Magnifique. Pour tenir le coup. Voilà. Donc on se fait une petite before, 5 minutes avant. Donc j'ai activé effectivement. Voilà, il y a Cyril qui nous rejoint au micro. Donc, on voit que ça fonctionne. On a Olivier qui est le co-animateur aussi avec Thierry ce matin. Salut Olivier. Je ne vais rien dire, mais je suis juste là. J'ai pas de lumière. J'ai mis toutes les lumières parce que je n'ai pas de soleil. Alors, moi, je te prête un peu de mon soleil et de ma lumière parce qu'ici, il y en a plein pour les deux. Alors, quel temps il fait au CP? Alors, c'est encore un petit peu couvert. Je vous mens quand je vous dis qu'il y a un peu de soleil, mais il va poindre son nez, je vous rassure. Et j'en parlais tout à l'heure avec ma collègue. Effectivement, je regarde tous les matins les dents du midi. Elles sont encore un petit peu accrochées dans les nuages, mais ça ne saurait tarder pour laisser place au soleil. Alors, en attendant, j'ai sorti mon plus bel éclairage. Voilà. Alors, moi, il fait beau. Hein. Enfin, j'ai un ciel bleu, mais le soleil, pour l'instant, il est derrière moi. Il n'éclaire pas encore. Si on l'avait cet après-midi, c'était bon. Salut, Eric. Comment vas-tu? Eric qui ne nous entend pas encore. Eric qui ne nous entend pas encore. Cyril est là aussi. Je viens de trouver le bouton pour activer la vidéo, super. Ok. Le son se trouve, Eric, en bas de l'écran. Oui, et puis il y a du soleil. On a du soleil dans le Jura. Bon. Ah, le Jura, excellent. Quel coin du Jura? Je suis près de Porrentruy, moi. Ok, ah. Très, très bien. Très bien. Il fait beau, il fait chaud, les terrasses sont ouvertes. Que demander plus? C'est chaud là. Alors chez moi, ils sont en train d'aider tout le monde. On croise les doigts pour que la prochaine Saint-Martin soit possible. Alors. Voilà. Ah oui, alors ça. Ça, c'est pas sûr. C'est pas gagné encore. Ouais. Voilà. C'est une autre histoire. Est-ce qu'Eric a retrouvé son son? Salut Eric. Oui, salut Julien. Ouais, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, j'ai un petit problème de caméra. J'ai un nouveau PC. Il a la caméra en dessous de l'écran. Alors, ça fait une prise de vue un peu spéciale. Ah oui, je connais ce laptop-là. Puis, ouais, j'avais entendu parler de cette caméra qui est dans le clavier, c'est ça? Non, elle est juste au-dessus du clavier, en dessous de l'écran. C'est vraiment bizarre parce que ça ne fonctionne pas bien. Ouais, je fais des vidéos, je mets une deuxième caméra, mais là, je n'avais pas prévu. C'est une grande idée d'un ingénieur. Allez, pourquoi on ne mettrait pas la caméra en dessus du clavier? Oui, ouais, drôle d'idée. Ouais. Ça fait des économies de câbles, en fait. Ouais, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Alors, je vais la couper après parce que je dois pencher l'écran déjà. Comme ça, c'est pas très pratique. Ouais, bon, c'est pas grave. On fait des essais ce matin. On va tester plusieurs choses. Donc, on teste maintenant que tous les participants puissent allumer leur caméra, participer, intervenir. Et puis, on a une deuxième fonctionnalité qu'on va tester. C'est justement le test, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer des tests, pas des sondages, mais carrément de la validation d'acquis, par exemple, avec des questions-réponses, comme on les a dans les modules de formation à la demande. Donc, ça, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité. Donc, il y aura deux questions. Il ne faut pas avoir honte de répondre vrai ou faux. Et puis, on pourra normalement afficher les résultats et puis discuter les résultats et les réponses en fait des personnes. Et ça peut être intéressant. C'est dans les cours de formation en ligne. Donc, on va pouvoir effectuer des tests, quoi. Et je trouve que la fonction est cool. J'espère que vous avez bien révisé. Cyril aussi, d'ailleurs. Ah merde, ah oui, bah alors, le stress monte, là, je vais aller faire un café, du coup. Le café, ça sera encore plus. Hein. Je te suggère le thé, c'est bien mieux. Alors, c'est pas du whisky, c'est du thé. Ah, un whisky, ça. Ah, c'est bien, il y en a qui suivent. Ah, ouais, il n'y a plus question de laisser tourner le truc et puis de te dire, ok, ben, je vais boire un café sur la terrasse d'à côté, on est obligé de rester devant l'écran là. Voilà, exactement, le niveau d'interactivité est obligatoire. Je promets que je vais mettre quelque chose dans mon fond d'écran hein, pour la semaine prochaine, quoi. Non, surtout que tu as une bête de course maintenant pour faire de l'incrustation en live. Donc tu exactement, pourrais nous faire rêver avec des plages, des forêts, des décors alpestres. J'ai eu un hélicoptère en guise de PC pendant quelques mois, alors je crains le pire. Tu vois, non, maintenant tu verras, tu n'entendras plus jamais le ventilo de ton ordinateur. Exactement. Il n'y a plus de ventilo en fait, c'est pour ça. Non, si, il y en a un, mais... Ah, okay. Moi non plus, je ne suis pas arrivé à le déclencher, à faire que l'ordinateur... Je ne sais pas si vous avez... J'ai vu la présentation des nouveaux iMac, les ventilateurs, ils sont gros comme ça, quoi. Moins de 10 décibels. La gamme de couleurs est sympa aussi, hein. Ça marche, ça marche. Alors, c'est 9h01, hein, c'est l'heure de démarrer notre Digital Morning, hein, parce qu'il est l'heure, on a une minute de retard, donc c'est parti pour le petit Digital Morning de la saison 2, hein, le 13e épisode et le 47e depuis le début, depuis la création. On est bientôt au premier anniversaire, je crois, du Digital Morning. Donc, on fêtera, on regardera un petit peu quand est-ce que on doit le fêter. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui dans ce Digital Morning consacré à Zoho Social d'accueillir Thierry Weber et Olivier Anh. Alors, je sais dans quel ordre, mais Thierry, peut-être tu peux te présenter ensuite, Olivier. Oui. Alors, j'ouvre le bal, effectivement, en vous rappelant ou vous disant peut-être pour la première fois que moi, je suis un utilisateur averti qui a testé plein d'outils. Et puis, il y a de ça maintenant quelques années, hein, ça date. J'ai fait connaissance avec l'écosystème de Zoho. Et puis, dans le cadre du travail de tous les jours au sein de mon agence Brive, qui s'écrit breew.com, voilà, si vous voulez faire un petit tour après, eh bien, on s'est focalisé, on s'est en fait convaincu à utiliser les outils Zoho pour d'abord historiquement la facturation, les devis, et très vite sont venus se greffer tout l'écosystème de Zoho One dessus. Et puis en faisant ça, eh bien, j'ai effectivement de plus en plus vu notre ami Julien, et puis on a donné vie à toutes sortes de contenus parce qu'effectivement, il trouvait intéressant d'avoir l'avis d'un utilisateur. Puis pour la petite histoire, pour l'anecdote, je me retrouve très souvent à préconiser l'usage de cet outil, et puis je l'utilise d'ailleurs dans d'autres structures, dans d'autres business, tellement c'est évident de travailler avec ce que proposent nos amis de Zoho. Voilà. Merci Thierry. On passe tout de suite la parole à Olivier, qui est notre, comme on dit, chef opérateur, enfin qui travaille pour iDAYit, en fait, notre société. Donc on travaille ensemble, et puis aujourd'hui, il va co-animer, puis animer certains épisodes aussi des Digital Morning. Salut Olivier. Et bonjour Julien, bonjour Thierry, bonjour à ceux qui nous regardent. Oui, alors je vais rentrer en tant que chef des opérations, mais là aujourd'hui je suis plutôt l'élève et le maître grand Julien va m'initier à tout ce showtime. Quoique on avait déjà fait ça à la dernière session Zoho Finance, justement avec aussi Thierry. Mais là, je vais mettre les mains dans le cambouis directement aujourd'hui. Donc, si vous voyez qu'il y a des petits problèmes... C'est de ta faute, alors. C'est moi. D'accord. Désolé. On prend note. Ça marche. Donc, on a un petit programme aujourd'hui, Studio Z, hein, peut-être l'accélérateur Zoho, hein, donc plateforme de formation en ligne avec 20 formations, une centaine de vidéos, une 50 heures de contenu, un podcast hein, qu'on aime bien faire avec Thierry, hein, dont on a un épisode qui a été diffusé, je crois, la semaine dernière, le dernier épisode. Alors, il sort aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, le dernier épisode. Voilà. Parce qu'il y a eu comme des relâches, je crois que ça s'appelle les vacances de Pâques. Il y avait un peu d'absence parmi c'est exactement ça. Et puis un channel YouTube, bien sûr, qui va être migré en fait vers celui d'iDAYit, et vous allez retrouver toutes les formations aussi directement sur YouTube. Si vous voulez pas passer par la plateforme de formation, vous allez pouvoir retrouver tous ces contenus. Donc les diffusions ont commencé en fait sur le channel dont on vous donnera l'adresse d'ici quelques jours. Enfin, c'est l'adresse YouTube de iDAYit où on va retrouver vraiment beaucoup plus de contenu. Alors Showtime, tout le monde sait ici l'utiliser, donc je vais pas revenir sur l'utilisation de Showtime. Le programme aujourd'hui, c'est Zoho Social, Zoho Social pour le management des réseaux sociaux. Donc, cet épisode est calqué sur les nouveautés de Zoho Social, parce qu'on a déjà, qui s'affiche dans votre document, on a déjà une formation avec à peu près 40 minutes d'introduction à Zoho Social qui permet de configurer Zoho Social, de faire de la publication de posts. Donc, retrouvez cette formation et peut-être après cette présentation, nous, on va se focaliser sur les nouveautés. On a tourné une petite vidéo qui explique un peu comment utiliser ces nouveautés de Zoho Social. Et puis après, on va en débattre, on va discuter un peu avec Thierry et passer surtout aux questions-réponses et aux tests. Donc, une question et plusieurs réponses, comme vous voyez à 9h25 sur mon slide, avec toujours des fautes, comme d'habitude. Et puis, le programme de la semaine prochaine, bien entendu, qu'on va retrouver. Peut-être, Thierry, c'est toi quand même qui va pouvoir le mieux parler de Zoho Social, parce que c'est quand même toi qui utilises le plus les réseaux sociaux parmi nous. Alors, peut-être quelques mots d'introduction. Ben en fait, comme une suite logique des outils dans Zoho, comme je vous le disais, moi, historiquement, c'était la facturation, les devis, puis après, on a très vite migré, on a commencé à travailler sur le CRM. Et puis, en parallèle de ça, pour parler de mon expérience, en fait, on se retrouvait à utiliser des solutions tierces pour animer les réseaux sociaux. Alors, quand je dis animer, c'est justement publier des contenus, programmer des contenus, parce qu'on ne peut pas toujours être derrière son Facebook ou son Twitter pour préparer une annonce, un post. Et puis, ces outils proposent aussi, ou proposaient en tout cas pour nous, toutes sortes d'outils d'analyse, de statistiques pour tirer des conclusions de ce que vous avez publié. Et donc, quand Zoho est venu avec cette solution pour gérer le social media, donc que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, et puis je garde la surprise pour les nouveautés que vous allez découvrir, voilà, on a laissé tomber tous les outils qu'on utilisait, qui ne sont pas toujours tous gratuits. Il faut savoir que c'est vite des frais. Quand vous devez le faire pour des clients, c'est vite beaucoup de comptes qu'il faut ouvrir pour gérer tout ça. Et puis c'est vrai que là, pour le coup, de voir Zoho proposer un outil de social media dedans, en fait, on peut faire vivre cette data, puisque maintenant, vous pouvez même depuis longtemps en fait, faire que s'il y a une interaction sur un de ces réseaux sociaux, vous pouvez en tirer quelque chose, comme par exemple signaler ça à votre CRM parce que vous avez un client que vous suivez et qui vous répond, ou qui vous like, qui vous retweet. Voilà, c'était une évidence que de tout venir sur l'outil Zoho pour laisser tomber les solutions tierces, qui, je vous le rappelle, ne sont pas toutes gratuites, et donc certaines sont aussi très très chères. On dépensait plusieurs centaines d'euros par mois pour certains d'entre eux. Voilà. Ça marche, merci à toi Thierry. Effectivement, les produits ne sont pas gratuits. Et puis, sitôt qu'on est, par exemple, une agence, on a un licenciement spécial du produit qui sort, par exemple, parce qu'on va, c'est un outil professionnel et on va gérer je ne sais pas combien de marques au travers de ce type d'outils. Donc, tout de suite, on y va, on se lance sur ces nouveautés de cette version. Ces nouveautés sont apparues au mois de février, donc plein focus là-dessus. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. Ciao, ciao! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Zoho Social, Zoho Social qui fête ses 6 ans, donc avec pas mal de nouveautés qui sont arrivées au mois de février. qu'on va vous présenter durant cette mini-session de formation, toujours avec l'environnement de Thomas, des frères Shelby, avec Shelby Services, la vraie fausse société. Alors la première grande nouveauté, c'est le management de la chaîne YouTube directement depuis Zoho Social. Pour ce faire, on voit qu'on a toujours les canaux multi-réseaux sociaux avec les groupes Facebook qui n'ont pas encore été configurés, mais qui font partie aussi des nouveautés. LinkedIn, toujours avec les pages personnelles et les pages de profil, Instagram, Google My Business, qui est très important, qui marche très très bien. Et puis ici, on voit qu'on va aussi pouvoir connecter son channel YouTube. Donc ici, on a créé un channel YouTube qui s'appelle Shelby Services TV, avec une petite faute, bien entendu, pour la démonstration. Donc là, on va autoriser directement Zoho Social à interagir avec la chaîne. Donc ça se fait vraiment de manière très très simple, et on va pouvoir bien entendu publier des contenus sur cette chaîne YouTube. On va le voir tout de suite. Plusieurs possibilités, bien sûr, pour publier une vidéo. Donc la plus simple, vous allez sur une nouvelle publication, vous choisissez ici, on désélectionne nos autres canaux, et on va pouvoir charger en fait sa vidéo YouTube. Donc là, on voit que on a des options, bien entendu, pour publier cette vidéo. On va pouvoir attacher directement à cette vidéo depuis le desktop par exemple, mais on va aussi voir qu'on peut le faire aussi depuis le cloud, donc ça c'est encore ou depuis surtout ma librairie qu'on va voir tout à l'heure. Donc on peut se créer déjà une librairie de contenu qu'on va pouvoir utiliser pour YouTube, mais aussi pour d'autres applications. Donc ça fait partie bien sûr des nouveautés qu'on veut vous proposer et vous montrer ce matin pour Zoho Social. Donc on va faire on va attacher depuis le cloud, parce que c'est beaucoup plus comme ça on voit les avantages aussi. Vous pouvez attacher directement depuis Google Drive ou pour ou d'autres applications. Ici évidemment notre Work Drive favori, donc ici on va reprendre le répertoire du marketing avec des vidéos YouTube, et on va reprendre une vidéo qui est une vidéo de Zoho Social pour publier son contenu. Donc ici on sélectionne cette vidéo, on peut directement la joindre, et on voit qu'elle va être directement chargée depuis dans l'interface. Donc là on a les mêmes options que l'on a dans une publication YouTube, si vous êtes familier avec les publications YouTube. Donc comme titre par défaut, évidemment, il va prendre le titre de la vidéo. Mais là, on va mettre, par exemple, comment publier du contenu avec une description. Donc là, vous pouvez mettre Zoho Social, formation, comment publier son contenu. Donc ça, on peut gérer évidemment la visibilité, si on veut du privé, si on veut quelque chose qui n'est pas listé. Ici, ça va être public, donc c'est vraiment une chaîne de test. On peut lui définir une catégorie ici, sciences et technologies ou éducation, puisque on veut éduquer les gens. Et on peut mettre des tags, bien évidemment, vos tags favoris, pour qu'on puisse mieux retrouver vos vidéos sur Facebook. Je ne vais pas mettre de tag, on n'a pas envie que cette vidéo soit forcément recherchée sur notre vraie fausse société Shelby Services. Donc ici, on a terminé. On va pouvoir ajouter, bien entendu, un message de publication. Donc notre dernière vidéo. On va pas s'attarder sur le contenu. On peut bien évidemment, comme tous les autres médias, on va pouvoir bien sûr, sur lesquels on publie, on peut programmer bien sûr la date. Donc ici on va juste la programmer à quelques minutes après on va la programmer dans 2 minutes, voilà, même 3 minutes, qu'on ait le temps de vous présenter pendant ce temps la librairie. Donc ici on planifie bien entendu la publication du contenu, et puis on verra maintenant que évidemment, vu qu'on a la chaîne YouTube, on va avoir aussi les rapports de publication de la chaîne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant. Et puis ce qui est vraiment bien, si vous allez maintenant dans l'onglet publication, de Zoho Social, vous avez ici ce qu'on appelle la média librairie, donc où on va pouvoir, on voit qu'il va charger du contenu directement dans cette librairie. Donc on va pouvoir à l'avance charger des vidéos depuis le desktop ou depuis le cloud, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté de cette version de Zoho Social. Et puis c'est pas des moindres, hein, si vous êtes un grand publicateur de contenu vidéo. Donc je pense que cette fonctionnalité va vous rendre service, bien sûr. Donc ici, on a l'aperçu des publications. On a forcé la publication pour qu'elle vienne se faire directement. Donc ici, la publication est en cours, hein, de publication. Donc comme on a dit, même si c'est 6h30, hein, il faut qu'il charge la vidéo, hein, dans YouTube. Donc pour autant qu'elle soit un peu plus longue, ça peut prendre un peu plus de temps, donc pour que la publication soit réellement publiée, puisqu'il y a une vérification du contenu qui va s'opérer, hein, pour les vidéos YouTube. Vous allez aussi pouvoir aller ressaisir, bien entendu, dans YouTube votre vidéo pour compléter, pour ajouter des tags, pour ajouter des liens. Hein, donc pas d'inquiétude, vous allez pouvoir faire ça peut-être en différé, mais là vous avez un véritable calendrier de publication pour vos vidéos. Une des fonctionnalités qui est très intéressante maintenant quand vous avez une équipe, c'est que vous pouvez avoir du contenu qui est prêt à être approuvé, hein, donc ça c'est, vous pouvez définir des processus d'approbation dans vos posts, hein, donc ça veut dire que si vous confiez là une tâche de création de posts sur les réseaux sociaux, vous pouvez définir tout un processus pour que ces posts soient approuvés, hein. Alors pour ce faire, il y a quelques petites opérations à faire, hein. Donc ici, vous avez simplement dans le panneau de configuration, hein, sur les publications, là vous pouvez rajouter une chaîne de personnes qui peuvent approuver. Hein, donc ici, on voit qu'on a surtout on a notre ami qui peut approuver, qui s'appelle Thomas, hein, qui peut approuver. Puis on a mis aussi Arthur, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est qu'il y a un rôle en fait, hein, qui a été créé, qui s'appelle Limited Publisher, hein, qui doit lui avoir une approbation, hein, lorsqu'il publie du contenu, pour qu'il ne puisse pas publier n'importe quoi, hein. Donc une fois que vous avez changé, hein, par exemple pour Arthur, vous lui mettez le droit Limited Publisher, hein. Donc si vous allez dans Zoho One ici, hein, donc on voit que dans l'application Zoho Social, on peut éditer l'utilisateur et puis dire en fait que cet utilisateur est Limited Publisher, pour que lorsqu'il publie, on va voir tout de suite le résultat, hein. Donc je vais changer maintenant d'écran. Ici, donc on est sur l'écran d'Arthur. Donc si Arthur souhaite publier quelque chose, donc on voit qu'il va faire une nouvelle publication. Alors mon chef Thomas est génial. Donc là on enlève YouTube, on n'a pas de vidéo à uploader, donc send for approval. Et ce post, hein, va être relu par Thomas, dans ce cas, qui va pouvoir approuver ou désapprouver ce post. On va le voir tout de suite. Si on retourne sur l'écran de Thomas, on voit qu'il y a une notification à l'équipe, hein, donc ah tiens, il y a Arthur qui a envoyé un post, hein, pour approval. Et puis là, on va pouvoir dialoguer, hein. Donc non, il faut changer le post, non, il faut changer ça, hein, par exemple. Donc on peut publier un commentaire, hein, pour son collègue, hein. Donc ça peut, ou ici, iDAYit to review, on va pouvoir bien entendu approuver ce post. On va le voir tout de suite en allant dans le bon menu. Ici, un petit instant, voilà, dans le menu des publications, on va pouvoir voir celles qui sont bientôt prêtes pour l'approbation, ici avec un petit onglet Approval, hein. Donc ici, on peut ici regarder, rejeter ou approuver en fait, hein, directement. Donc Approve and Publish Now, où on peut faire aussi approuver mais programmer ce post un peu plus tard. Hein. Donc on voit que dans mon exemple ça fonctionne pas, mais on a en tous les cas cette possibilité. Je pense qu'il faut que la personne qui crée ce post le fasse aussi, programme aussi cette publication. Donc ici je vais simplement lâcher, approuver directement le poste d'Arthur, et on voit que mon chef Thomas est génial, hein, donc on s'amuse un petit peu sur cette vraie fausse société avec de vrais faux réseaux sociaux. Hein, donc voilà parmi les fonctionnalités qui sont qu'on voulait vous présenter. Alors il y en a une aussi, on voit qu'on a ici qui s'appelle RSS Feed, hein, qui est très très pratique parce que on va pouvoir ajouter des flux RSS directement, donc des flux RSS d'une société par exemple, hein, donc qui utilise ce type de flux pour aller voir les nouveautés qu'elle publie et puis republier en fait là-dessus. Donc ça c'est une fonction qui est très intéressante. Donc par le plus grand des hasards, on va ajouter le flux par exemple du blog de iDAYit. Hein, donc on voit ici qu'on a un résultat, donc on va pouvoir ajouter tous les flux RSS des sites qui intéresseraient notre marque ou qui pourraient intéresser les clients en fait, de notre marque pour rebondir sur certains sujets. Donc là on va voir qu'on a pas mal de blogs, hein, de posts qui vont arriver. Donc ici, on a fait un post pour les 22 ans de Zoho. Donc ici, on a vraiment la possibilité de regarder, de voir en fait, de voir ce post, hein, directement. On peut reprendre tout ça, donc on peut discuter. On va pouvoir créer un nouveau post avec ce post, voyez. Et puis on peut se saisir du contenu des autres en RSS pour créer son propre contenu de publication. Donc je trouve la fonctionnalité mérite vraiment d'être découverte dans ces nouveautés après 6 ans de Zoho Social. Voilà, encore une fois, pas mal de nouveautés, hein, sur cette dernière version. Hein, donc vous pouvez retrouver, bien sûr, hein, si vous allez dans les announcements, dernière fonctionnalité. On va trouver ici, hein, sur cet article, les dernières nouveautés de Zoho. Hein. Donc, on a vu qu'on a parlé de publications YouTube. On a parlé, bien entendu, de la partie approbation de flux. Hein. Donc, on a aussi la partie UTM, hein, qui est intéressante pour pouvoir, derrière ces liens, rajouter des paramètres UTM pour mieux pouvoir traquer, hein, les résultats des publications sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est très agréable de pouvoir le faire directement depuis là. Donc là je vous invite à aller voir cette fonction qui est un peu plus avancée. Peut-être Instagram First Comment, hein, aussi qui est une possibilité qui est offerte par Zoho de pouvoir directement ajouter ce First Comment sur une page pour publier sur les réseaux sociaux. Peut-être un spécialiste nommé Thierry Weber m'en donnera un peu plus. Et puis une option de retweeter aussi avec un scheduling pour directement sur sa console. Donc on peut retweeter quelque chose et le programmer en fait ce retweet. Donc ça c'est une des nouveautés de cette version. Donc voilà, pour le moment on a encore les RSS feed, hein, qu'on vous a présenté, et la librairie, hein, donc ça c'était pour les petites news de cette nouvelle version de Zoho Social. Pendant que mes collègues reviennent, parce qu'il semblerait que il n'y a plus personne derrière aux commandes. Non, je plaisante, hein, Olivier. Ah, oui, voilà. Oui, non, je vous taquinais, parce que je suis au taquet, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Zoho Social, et puis je vois que notre ami Julien fait dans l'AMSR, vous savez, on parle tout doucement comme ça, puis on fait des sons agréables. je le taquine parce qu'il... Non, il faut corriger, c'est vrai. Non, j'imagine que tu enregistres ça à des heures très très tardives, donc tu ne veux pas réveiller le reste du bureau peut-être quand tu enregistres ça. Non, j'ai vu que tu faisais mention à un spécialiste qui porte le nom de Thierry Weber, alors sans avoir la prétention d'être un spécialiste. Moi, ce que j'aime bien dans Zoho Social, c'est effectivement qu'il s'est enrichi, hein, parce que ce que vous a montré Julien, par exemple, avec les flux RSS, c'est une chouette nouveauté. Donc, vous pouvez injecter vos flux RSS. Donc, si jamais vous ne saviez plus ce que c'est ce fameux petit logo orange avec presque un logo de Wi-Fi dedans. RSS pour Really Simple Syndication, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'aller chaque jour, par exemple, sur vos sites de news préférés, vous pourriez retrouver les flux RSS de ceux-ci, puis de les agréger dans un lecteur. À l'époque, il y avait Google qui proposait ça, Google Newsreader. On mettait tout ça dedans et puis on avait une console. Maintenant, il y a d'autres solutions. Je vous invite à utiliser Feedly, par exemple, qui est devenu un petit peu une belle alternative. Maintenant, si, comme dans l'exemple de Julien, vous avez aussi vos propres contenus, il a pris par exemple ceux de iDAYit, vous avez un site internet qui génère ce flux RSS, ben c'est typiquement ces flux qu'il vous faut injecter dans Zoho Social parce qu'ils deviennent une source de contenu auquel on peut redonner une seconde vie. Par exemple, pour la petite histoire, pendant qu'on faisait la découverte de cette présentation, il y a Julien qui s'essaye à changer la couleur de son fond. Voilà, c'est passé au noir. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est déjà ça. Un écran vert noir. Oui, voilà, exactement. Donc vous pourriez par exemple agréger vos propres flux, mais aussi aller chercher d'autres. Et donc, comme je disais, pendant que Julien nous présentait ça en vidéo, moi, je suis allé préparer des posts, puisque sur certains comptes sur lesquels j'utilise Zoho Social, j'ai injecté ces flux RSS. Et puis, on peut comme ça les redispatcher sur les réseaux. Donc, à partir d'une news qui a été publiée sur un site internet, vous pouvez faire un tweet, vous pouvez faire un post sur LinkedIn, vous pouvez partir sur Facebook. Et puis, il a été fait référence, effectivement, de pouvoir aussi programmer tout ça. Donc, quand vous faites un post, vous avez plusieurs possibilités. Soit, que ce soit un flux RSS ou un post que vous écrivez, vous le rédigez et vous appuyez sur publier. Mais voilà, c'est instantané. Alors ça, c'est pratique hein, quand on est pressé. Mais imaginez maintenant que vous faites cette news à 23h, c'est un peu dommage de griller votre cartouche, sachant qu'il n'y a peut-être personne sur les ondes. Donc, vous allez programmer votre post. Si par exemple, vous savez que vous avez besoin de publier cet article dans les jours qui viennent, pourquoi pas à 23h le programmer à 8h le lendemain matin. Deuxième possibilité, vous créez une sorte de liste de jours et d'heures que vous avez imaginé sur la semaine pour dire je la mets dans la file d'attente et cette file d'attente va être régie par ce petit planning que vous pouvez vous créer. Alors moi, l'astuce que je vous conseille, parce qu'on n'est pas tous à pouvoir avoir beaucoup de contenu à publier, faites un espèce de planning au moins d'un post par jour. Pas plus, parce que dans un premier temps, on n'a peut-être pas assez de news à partager. Donc, vous variez les plaisirs. Le mardi, c'est à 8h le matin. Le mercredi, c'est à 11h. Le jeudi, c'est à 18h. Enfin, voilà, vous choisissez, vous, les créneaux. Le samedi, moi, je ne mets rien très tôt le matin. Je mets à partir de 11-12h, voilà. Et puis, le post que vous préparez à 23h, vous pouvez le mettre dans cette file d'attente et il va se lancer, se programmer, se diffuser tout seul sur le ou les réseaux que vous avez sélectionnés. Et puis après, vous avez une troisième possibilité, c'est que quand vous avez commencé à alimenter la machine, que Zoho Social connaît vos habitudes, mais aussi qu'il peut tirer des conclusions au niveau des audiences, de comment c'est perçu, est-ce qu'il y a des likes, il y a beaucoup de lectures de ces contenus, il va vous proposer le Smart Queue. Donc c'est aussi une file d'attente, mais qui va être dicté par les algorithmes. C'est-à-dire qu'à la longue, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, on va être capable de dire « Ah, écoute Thierry, pour ton poste, eh bien, c'est jeudi et à 11h33. » Voilà. Donc, à la longue, cet algorithme va vous affiner effectivement les meilleurs slots, que ce soit les jours et les heures, pour pouvoir faire que vous mettiez plus de chance de votre côté. Mais ça s'acquiert après un certain temps. Il faut effectivement plusieurs semaines avant d'arriver à avoir le Smart Queue qui commence à s'affiner. Donc, faites-vous une file d'attente que vous programmez et puis je vous assure, après, vos contenus, vos flux RSS ou ceux des autres, parce que vous pourriez aussi trouver des thèmes connexes. Hein, si, par exemple, vous parlez de, je sais pas moi, de sport automobile, peut-être que vous faites de la veille sur différents sites qui parlent de ce thème, vous pourriez les repartager en mettant votre expertise. Ne faites pas juste l'erreur de publier un lien et puis de le balancer tel quel. Mettez-y votre touche. Quand bien même ce n'est pas votre contenu, ça vaut la peine de venir avec votre point de vue, avec votre expertise, avec votre commentaire. Ça va enrichir effectivement le partage. Et puis, dernière chose, Zoho Social existe aussi en extension. Donc, si vous travaillez comme nous tous sur Google Chrome, installez-vous effectivement l'extension de Zoho Social qui va vous permettre, quand vous vous baladez sur Internet, de cliquer sur un article et de l'injecter justement dans votre file d'attente. Ça va vous faire gagner du temps. Vous n'avez presque pas besoin d'ouvrir Zoho Social pour faire ça. Et ça vous permet comme ça de préparer des posts au gré de vos visites sur Internet. Ça vaut vraiment la peine de mettre toutes les chances de votre côté. Et je sens que notre Julien est muté. Non, ben c'est parce que c'est le fond noir, il est tombé dans... Le fond noir, oui. Ça a coupé le micro. Ça a coupé le micro. Le fond noir, après l'écran qui va, les images, des belles images qui vont arriver, mais j'aime bien aller par étapes, tu vois, pour nous ménager. Donc, je transfère le contrôle de la session à Olivier qui va continuer de faire la présentation. On fait quelques petits aménagements techniques aujourd'hui, hein, dus à certaines nouvelles fonctionnalités qu'on veut tester. Donc, Olivier, maintenant, a le contrôle de la session. Oui, je vais le recevoir. Voilà. Donc, avant de lancer dans les slides suivants, là, on est sur démo Zoho Social. Je ne sais pas si tu as récupéré la diffusion des... Oui, j'ai le partage du matériel, voilà, sans problème. Donc ça, c'est cool. Donc moi, j'aime bien cette fonctionnalité, hein, pour commenter celle des approbations. Hein, je trouve que c'est vraiment cool d'avoir pensé à ça pour quand on a, par exemple, des collaborateurs qui vont faire des posts. On a souvent des stagiaires en marketing. Hein. Je crois qu'ils sont légion. Donc, pour permettre quand même d'avoir un certain contrôle, on a ce système d'approbation qui est assez simple à mettre en place et que je trouve vraiment très utile quand on a vraiment... beaucoup de choses et puis qu'on aimerait quand même avoir le dernier mot, que quelqu'un ait le dernier mot sur la publication du contenu. Je crois que c'est important et ça rassure tout le monde quelque part de savoir qu'en bout de chaîne, il y a quelqu'un quand même qui va contrôler. Ok, donc là, moi, j'ai le slide démo Zoho Social. Je ne sais pas si tu veux avancer d'un slide, hein, si tu arrives à le faire. Voilà, donc alors... Juste avant de passer aux questions-réponses, les slides ne sont pas dans le bon ordre, mais on a regardé ce qu'on voulait faire au premier trimestre de cette année avec Thierry. Et puis, donc on avait décidé de faire Zoho Workplace, que l'on a fait avec trois épisodes. On a fait du desk, on a fait du trainer central. On a diffusé de l'expense, donc la gestion des notes de frais la semaine passée. On voulait voir si on était raccord en fait avec ce qu'on a dit. Alors, on n'a pas fait Zoho Commerce, donc ça sera peut-être un sujet, parce que Zoho Commerce, c'est la version, c'est pour faire vraiment du e-commerce. Et je pense que ça sera intéressant de le présenter puisqu'il va faire partie enfin de la suite Zoho One depuis d'ici quelques jours ou semaines, ce qui n'était pas le cas au départ. Et puis, on a évidemment sécurisé son environnement digital aussi, qui était quelque chose d'important, qu'on fera aussi au trimestre suivant. Voilà. Oui, je viens de voir, malheureusement, qu'en appuyant sur le petit bouton, j'ai sauté 2 diapositives d'un coup. C'est pour ça. Non, c'est pas grave du tout. Moi, par contre, je vais pouvoir lancer le fameux test avant les questions-réponses. Là, je vais vous lancer un test, donc test d'évaluation des connaissances. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois, mais je ne peux pas le lancer. Donc, je ne sais pas si, Olivier, si tu cliques sur les 3 petits boutons à droite de l'arrêt de l'enregistrement. Si je clique sur le test, je peux le lancer. Et le voilà. Donc là, il y a 2 petites questions auxquelles vous êtes invités à répondre. Donc, on vous laisse quelques secondes pour le faire. Donc, quels sont les réseaux sociaux supportés par Zoho Social, hein? Donc là, il y a quelques réponses. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou Google My Business. Et puis, la deuxième question, peut-on programmer des publications sur YouTube? Donc, je ne sais pas si nos participants voient le test s'afficher et ont la possibilité de répondre. Mettez-le dans le chat. Voilà, je vois qu'il y a Eric qui a répondu. Donc, on voit en fait… donc... Ça y est, les réponses arrivent. Voilà, les réponses arrivent. Aussi. Après, on donne des notes, attention, hein, si vous n'avez pas bien suivi, alors... et puis que vous répondez n'importe quoi. Ouais, ça va pas aller. Non, on ne laisse rien passer. Donc là, effectivement, donc on a les réponses qui arrivent en direct. On a la possibilité d'afficher les résultats de ces réponses. Hein. Donc, c'est un test grandeur nature hein, qu'on fait ce matin. Très sympa. C'était assez marrant de pouvoir le faire et c'est assez utile pour vraiment des cours qu'on va donner, en ligne. Donc là, je crois que toi, tu peux afficher, Olivier, les résultats à l'écran si ce n'est pas déjà le cas. Alors, oui, justement, j'ai cliqué sur l'onglet afficher le rapport. Donc, moi, je le vois. Est-ce que vous le voyez? Voilà, non, puis à droite, tu as encore affiché les résultats après completion. Après la completion. Ah, ça, c'est nouveau, ça. C'est les... bonne réponse avec les résultats de test. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter à un moment donné le test et puis dire maintenant, on regarde les résultats. Donc là, je vais le terminer parce qu'il n'était pas terminé. Voilà. C'est ça. Alors, attention au verdict. Boum. Et voilà. Voilà, donc on voit les rapports, donc ça marche assez bien, hein, ça a l'air d'être bien. Bon, Renaud, on dira qu'il n'a pas eu le temps de répondre aux questions. Oui, mais c'est assez sympa qu'on puisse faire ce type de questions-réponses. Très bien. Voilà, donc on peut passer maintenant aux vraies questions-réponses si nos participants ont des questions et réponses. Je rappelle que les caméras et les micros sont activés hein, si vous souhaitez qu'on vous voit directement à l'écran. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà, Cyril. Salut Cyril. Je suis toujours là. Et puis on rappelle que le fond noir, enfin le fond vert qui se transforme en noir, ça c'est juste une option pour Julien. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous pourrez activer. D'ailleurs, voilà. Oui. Comme ça, pour ne pas faire d'envieux, hein, si jamais. Alors, Cyril, on t'écoute? Non, rien, je regardais le fond noir. Effectivement, je trouve ça sympa. On voit un halo lumineux autour de ton visage. On a l'impression d'être dans Star Wars. C'est ça tag aussi. Hein. Mais il faut remarquer aussi que Eric, il a son fond noir aussi. Donc, c'est pas une exclusivité non plus. Très uniforme, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez, hein, parce qu'après, effectivement... Alors, pour le moment, on n'a pas de questions dans l'Assemblée. Donc, je pense que tout est fondamentalement clair, quoi. C'est parce que tu as très, très bien fait ton travail et puis que tous les épisodes, tous les Digital Morning et tous les podcasts, toutes les vidéos que tu fais sont très, très claires. Voilà. Donc, on arrive avec une audience qui a déjà tout compris. Bravo à toi, Julien. J'ai une question. Le produit, il a l'air vraiment absolument génial. Moi, j'ai peu de contenu à publier parce que c'est très récurrent, mes contenus qui seraient industriels. Donc, quand Thierry, vous dites il faut publier le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est pas toujours possible, ça, en fait. Quoi. Alors, c'est des fois un petit peu… ça peut être pénible pour ceux qui lisent si c'est toujours la même chose. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. À la semaine prochaine. Non, plus sérieusement, je suis en bonne forme aujourd'hui. Très souvent, je l'entends, cette remarque, elle est tout à fait légitime. Ouais, moi, je suis en B2B, c'est ce que j'ai bien compris de ce que vous dites. Bon, moi, je vais te tutoyer, Cyril, parce que je suis valaisan et puis j'ai de la famille au Jura. Donc, voilà, comme ça, j'ai décidé qu'après la pandémie, je tutoyais tout le monde pour assurer mon côté valaisan. Alors, Cyril, en fait, dans le B2B, on a encore plus d'opportunités de communiquer. On a encore plus de contenu parce qu'en fait, d'une part, c'est un domaine dans lequel on n'a pas beaucoup d'exemples de boîtes qui osent communiquer. Je prends un exemple très concret. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines en arrière, j'ai été contacté par une boîte qui est très, très, très ciblée dans son domaine et qui va se mettre à faire du podcast, qui va faire du live streaming également. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus de deux choses. Une chose, c'est qu'ils ont un écosystème qui est un petit peu quand même curieux de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les développements, les produits sur lesquels ils travaillent. Toujours avec ce qu'on peut raconter, hein, parce qu'il y a peut-être des secrets de fabrication qu'on ne va pas exposer comme ça. Et puis, il y a une audience qui est captive par rapport à ça pour pouvoir, par exemple, comme le fait notre ami Julien aujourd'hui, c'est de s'adresser à ses clients, ses prospects qui sont spécifiquement intéressés à cette matière. Cet écosystème, il n'est pas forcément composé de millions de personnes, de milliers de personnes, mais il est en attente de savoir, par exemple, la société de Cyril est en train de développer quelque chose, et je peux, par exemple, suivre les étapes de ce développement pour ce que Cyril décide de partager avec moi. Alors oui, c'est vrai, il y a toujours ce réflexe de se dire, oui, mais si je communique, si je surcommunique, je vais saouler les gens. Mais en fait, ils peuvent choisir. C'est un peu comme une newsletter. On peut choisir de s'abonner comme on peut choisir de se désabonner. Et ce n'est pas parce qu'on publie un contenu qui va être vu. Pour la petite histoire, je disais tout à l'heure, pendant la présentation de Julien, je suis allé sur un de mes comptes Zoho Social pour programmer des posts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été prendre tous les flux RSS sur lesquels je suis abonné et j'ai été republier des contenus qui avaient déjà été balancés. Pourquoi? Il est fort à parier que dans ma communauté, même si elle n'est pas composée de milliers de personnes, ces posts, ils sont passés outre parce qu'on n'est pas tous derrière son LinkedIn, on n'est pas tous à suivre tous les contenus. Donc, en fait, une recette qu'on peut partager ici, c'est par exemple, il ne faut pas publier un post puis s'arrêter là. Il faut lui donner 2, 3, 4 vies même des fois, suivant les jours, les heures. C'est exactement ce que je disais par rapport au Smart Queue qui lui choisit pour nous, mais les files d'attente qu'on peut se programmer permettent de se dire tiens, le mardi matin, je touche peut-être plus de mes clients parce qu'ils sont à d'abord faire leur mail ou à regarder les réseaux sociaux que le mercredi à midi parce qu'ils sont à la pause ou parce qu'ils font de la visite clientèle, je ne sais pas. Donc, il faut se défaire de cette image que ça va saouler les gens parce que je publie plein de contenu. Non, au contraire, on n'est pas assez visible. L'autre question que j'avais et que je trouve qui est difficile à appréhender, surtout quand on est une petite société, c'est est-ce qu'il faut faire un compte personnel de quelqu'un qui travaille dans la société et puis publier les choses sur sa société, ou est-ce qu'il faut faire un compte sur sa société, y être abonné et publier sous sa société, ou les deux? Alors ça dépend la plateforme. Pour LinkedIn, je dirais il faut les deux. Il faut son profil personnel LinkedIn pour pouvoir être l'ambassadeur de sa propre marque. Ça, c'est clair et net qu'il ne faut pas hésiter à le faire, surtout si on est le fondateur, le directeur ou le responsable de communication, le marketing. Donc, il faut être à relayer la chose, il faut être proactif de ça, tout en faisant la même chose sur une page qui est dédiée à l'entreprise. On a beau être 3, 4, 5, 10, 15 employés, ça a le mérite d'exister dans l'industrie horlogère au Jura. Il y a plein d'exemples où il y a des structures plus ou moins petites, voire moyennes, qui font ça ou qui mériteraient de le faire parce qu'effectivement, c'est un travail sur la visibilité. Donc là, ce serait par défaut publier quelque chose sur le site de la société et de le relayer par des comptes perso. Voilà, il faut être pro-acteur de ça. Donc, si le site, par exemple, diffuse une news, nous, en tant que fondateur, directeur, il faut aussi être le relais de ça. Et puis, dans un monde idéal, les collaborateurs, tes employés, même s'ils sont au nombre de quelques-uns, il faut aussi qu'on les embarque là-dedans. C'est-à-dire qu'ils puissent eux aussi relayer ça sur leur propre réseau parce qu'ils ont des réseaux que toi, tu n'as pas et vice-versa. Et puis, il faut les embarquer là-dedans. Il ne faut pas arriver à disant tiens, voilà, moi, je communique ces trucs, il faut les republier. Non, on les embarque dans cette stratégie. Et là, on vient de voir, par exemple, ce que nous a montré Julien. On pourrait imaginer, même dans une structure de quelques employés, qu'ils soient co-acteurs. Puis, ils te disent écoute, Cyril, j'ai trouvé un article. Je te l'ai mis dans Zoho Social. Regarde si tu as envie de le partager pour effectivement alimenter le flux de la société parce qu'on pourrait y mettre notre petit commentaire, notre point de vue et partager cette information quand bien même ce n'est pas nous qui en sommes à l'origine. Mais comme elle parle de la même industrie, par exemple, ou d'un client ou de quelque chose qui est en rapport avec ce que tu fais, ça te fait des cartouches. Et là, le travail, il est moindre. C'est entre guillemets juste de la veille. Et puis, embarquer les collaborateurs, c'est un truc génial parce qu'en fait, ils se sentent impliqués. Et puis, bien sûr. Ok, génial. Merci pour ta réponse. Avec plaisir. Voilà, merci Thierry. On avait simplement Renaud, qui avait un petit problème de connexion. Donc, effectivement, quand on démarre des applications vidéo depuis son navigateur quelle que soit l'application, on doit autoriser la caméra et le micro à fonctionner en tous les cas au moins une fois. Après ça, c'est fait, c'est autorisé. Alors souvent, on est en Zoom, par exemple, on télécharge très souvent l'application, donc c'est une autre forme d'autorisation. Mais pour le navigateur, sitôt qu'on démarre depuis le navigateur des sessions de ce type, visioconférence, on doit les autoriser. Voilà. Pour les précisions techniques. Oui, et puis ça permet de ne pas avoir installé d'application, parce que là, on se fait une espèce de conférence, de digital morning, de chat, de discussion, tout ça au travers d'un navigateur. Donc, c'est assez sympa de ne pas polluer son ordi avec plein d'applications. Ça marche. On enchaîne tout de suite avec la suite de la présentation avec le podcast est le programme de la semaine suivante, pour autant qu'on n'ait pas d'autres questions, hein, sentez-vous libre de les poser. Donc là, on avait le programme du premier trimestre. Et je passe aux news d'avril, c'est ça? Voilà, alors là, on a... ça devait être un... Ça devait être pour la prochaine fois, mais ce n'est pas grave. Donc, la prochaine fois, on va vous présenter un outil qui s'appelle Lead Page. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, pas Lead Page, mais ça s'appelle… c'est un outil, en fait, de Zoho qui permet de créer des landing pages. Pardon, landing page, lead page, c'est le concurrent de Zoho. Donc, c'est pas grave de faire l'amalgame. Donc, ça va vous permettre, c'est un outil qui va vous permettre de faire vos propres pages d'atterrissage pour faire de la promotion. C'est un produit qui est en bêta, mais qui est furieusement fini déjà, on va dire, parce qu'il est déjà vraiment tout prêt, c'est simple à utiliser, ils reprennent vraiment des choses de Zoho Sites, et puis ça va vous permettre généralement de créer vos pages d'atterrissage, et c'est un outil qui manquait dans la suite Zoho, qui va plaire à Thierry, qui utilise un autre outil jusqu'à maintenant, qui était aussi très simple, et puis qui lui rendait bien service, mais qu'il devait payer. Je confirme. Alors, maintenant que les diapositives sont bien dans le désordre, quelle est la bonne diapositive? Là, il va falloir que tu me le dises, cher Julien. Alors, les diapositives sont normales. Après, on est bon, je crois qu'on peut, y aller normalement. Elle devrait être… donc, on a le podcast. Hein, donc, peut-être Thierry va nous faire l'article du podcast, encore une fois. Oui, voilà, donc dans le courant de cette journée, vous allez trouver le dernier épisode qu'on a enregistré avec Julien. Donc, c'est un rendez-vous audio. Hein. Si, par exemple, vous avez envie de le partager, faites-le auprès d'autres, peut-être entrepreneurs, chefs d'entreprise, patrons de PME, puisqu'effectivement, ces capsules audio sont à leur intention. Ils sont orientés… on va dire un petit peu, pas trop tech, un peu novice, dans le sens où on vient avec une thématique, avec une problématique, et on la traite d'une façon un peu plus vulgarisée, pour pouvoir se dire, par exemple, pourquoi en 2021, il ne faut plus faire de facture avec une grille Excel, et sans rentrer dans les détails techniques, on vient comme ça décortiquer les avantages, les évidences, et le but de ce podcast qui ne dépasse jamais 20 minutes, eh bien, c'est de se dire que le temps du trajet, on a appris quelque chose pour sensibiliser justement ces chefs d'entreprise, ces patrons de PME à peut-être repenser leur organisation et leur gestion de clients. Voilà. Tout ça, ça se trouve sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify. Donc, si vous tapez Studio Z, iDAYit le podcast, vous allez trouver très facilement. Puis, on vous invite à vous y abonner. Puis, comme ça, vous recevez automatiquement les nouveaux épisodes chaque fois dans votre lecteur ou baladeur ou smartphone préféré. Merci Thierry. J'avance le slide hein, parce que je peux le faire maintenant, c'est nouveau, on peut être deux à avancer les slides, donc ça c'est aussi une petite nouveauté de la matinée. On peut même être trois. On va se batailler, je sens. Peuvent activer leur slide, donc c'est très bien, c'est une bonne nouvelle pour certains clients qui utilisent ce type, nos services. Donc, la semaine prochaine, on va enfin dévoiler la plateforme Studio Z, la nouvelle plateforme. Elle est déjà disponible. Vous avez déjà le lien dans vos documents. Vous pouvez vous inscrire. Il y a une je crois, 7 ou 8 formations qui sont déjà en place et puis les 13 ou 14 autres arrivent chaque jour sur cette nouvelle plateforme qu'on vous présentera un peu dans le détail qui s'appelle Trainer Central, un nouvel outil Zoho, et on remplace complètement, quasiment le site Studio Z actuel pour le remplacer par cette nouvelle plateforme où vous pourrez mieux suivre votre progression. Quelque part, parce que vous aurez accès à tous vos cours d'un coup. Vous n'êtes pas obligé de vous réinscrire à chaque fois, comme c'est le cas. On parle des cours à la demande. Donc, vraiment, on se réjouit de basculer sur cette plateforme et ça sera le sujet majeur de cette prochaine présentation. Il y a une question de Renaud dans la chatroom qui nous pose la question suivante. À partir de quand les landing pages sur Zoho seront disponibles, si j'ai bien compris la question? Là, on est en bêta, donc je pense que d'ici un mois et demi, ça devrait être ouvert en public bêta. Et puis après, je pense que pour le mois de juin, juillet, ça devrait être ouvert pour tout le monde. Okay. Et ça devrait être intégré. Mais le produit avait l'air particulièrement construit, donc c'était pas vraiment parce qu'il y a certains produits, c'est vraiment des bêtas. On n'ose pas les montrer, mais là, on voit que le produit est quand même assez abouti, on va dire. Très bien. Très bien. Donc on va, je te laisse tourner le dernier slide et puis donc le feedback pour Olivier. Donc le feedback est important, hein, donc n'oubliez pas de remplir votre petit formulaire juste après cette session. Hein, ça nous aide à nous améliorer. Et puis si vous avez des suggestions et si vous voulez voir des cours particuliers sur des produits particuliers, n'hésitez pas à nous faire part de ces demandes. On a eu pas mal de demandes pour Zoho Project. On n'a que des petites formations, donc on nous a peut-être demandé d'y revenir parce qu'il y a vraiment une nouvelle version. Il y a pas mal de nouveautés. Ça devient intéressant de peut-être présenter ce Zoho Project une fois. Donc, sans plus attendre, on va se quitter. Donc, n'oubliez pas de revenir en semaine prochaine. Je te remercie Thierry, je te remercie Olivier, et puis bien sûr tous les participants qui viennent assidûment chaque mercredi ou certaines fois le mercredi. Thierry, peut-être le mot de la fin ? Continuez à utiliser Zoho, usez, abusez, faut pas vous gêner, allez-y. Et puis si effectivement vous avez des questions par rapport à tout ce qui est social media, on se fera plaisir de vous aider, même s'il faut aller jusque dans le Jura. Voilà, c'était pour plein clin d'œil pour nos amis jurassiens. Je vous souhaite une très très belle journée à tous. Merci. Très bonne journée à tout le monde. Bye bye.